très vert. Il y a une technique un peu pour garder ça. On voit qu'il y a trois couleurs. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces trois couleurs? Et bah, du coup, en bas, vous avez un royal à la tomate. Qu'est-ce que c'est un royal à la tomate? C'est un concassé de tomates, tout ce qui est plus banal en fait, avec du lait dedans, des œufs, du lait, l'assaisonnement, on cuit au four. Ah, d'accord. Voilà. Et par-dessus, avec l'eau de pépins que j'ai récupéré, on a fait une gelée à la tomate. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu cette recette? Très simple apparemment. Oui, en fait, c'est une soupe de potimarron qui est on la cuit entièrement avec la peau, avec les pépins et tout ça, et après qui a été mixée légèrement crevée. Et on associe ça avec un peu de fumée tout simplement. Donc on peut y mettre directement la peau et les pépins dans ce velouté. Ouais, il s'agit juste de le cuire un petit peu plus qu'à la coutumée, parce que la peau est plus rugueuse, mais après, passer dans un bon mixeur, ça passe nickel. Ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. En général, on jette les pépins, on jette la peau. On a la parenthèse, qui est un restaurant maître ou restaurateur, donc 100% produit frais. Et nous voulons travailler justement 100% du produit dans toutes ses capacités. Je m'occupe particulièrement du bistrot, enfin de la pizza thé. Et du coup, nous, on pourrait travailler un peu plus sur les menus enfants. Donc développer des menus enfants où on aurait moins de gaspillage auprès des enfants. Parce que c'est pas toujours facile, du coup les enfants sont assez difficiles. Et voilà. Première action qui sera menée, étant donné que nous sommes début d'année scolaire pour les bac pro, les CAP, les mentions dessert, notre première action va être de sensibiliser les jeunes sur la perte des produits et sur le travail des déchets. Voilà. Ça va être la première action mise en place, les sensibiliser à la perte. Ce qu'on faisait apparemment avec un papier, un crayon, une petite calculatrice. Donc voilà, j'ai souscrit un abonnement pour mettre en place les fiches techniques de tous nos produits, mieux valoriser et puis savoir de tout boîtier, etc. Et faire des achats auprès aussi de fournisseurs locaux, voilà, essayer de voir.